à Tekoubé, Mossikro. Des déchets et putréfactions nauséabondes, mêlés à des écoulements de produits délétères et malodorants. Cette voie est connue pour sa dégradation très avancée, avec la présence d'eau usée sur le macadam. Les égouts et les écoulements des habitations communes se déversent sur ces artères principales. Ah, vraiment, on habite dans le quartier depuis 2008. Vraiment, on ne peut pas sortir pour aller à Djamé. Vous-même, vous constatez la route. On ne peut pas sortir, tout est gâté. On ne sait pas il y a quel problème. Ici à Djamé, là, ça ne vaut pas. Comme ça, c'est qu'à quelques minutes, tu peux arriver à Djamé. Mais à cause de la route, là, on paye 200, souvent 300 même pour arriver à Djamé. Pourtant, c'est 100 francs. À cause de la route, les Brahmanes, là, mais vraiment, on ne sait même pas. Il y a l'eau qui coule de Banco pour descendre. On ne sait même pas. Le problème de la route, là, même, là, vraiment, nous-mêmes, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Moi-même, là, je m'en vais emprunter Pinance pour traverser. À cause de la route, je ne peux pas faire le tour. Il faut que je passe par la Pinance d'abord avant d'arriver à Tekoubé. On ne sait pas si c'est parce que la voie n'a pas été bien faite, on ne sait pas. Difficilement, on sort même de la maison. Tu sors même ton cœur bas. Pour arriver à Djamé, même, c'est tout un souci. La dame, elle a dit, elle va faire le grand tour pour arriver à Djamé. Imaginez quelqu'un qui doit prendre peut-être 2 à 3 minutes pour arriver à Djamé. Elle va passer peut-être 1 heure du temps pour arriver à Djamé. Vraiment, si vous pouvez revoir ça, ça va nous arranger. Sinon, vraiment, ce n'est pas intéressant. C'est même pas... On souffre même. Malgré les travaux de restauration menés en 2015, le constat est alarmant. Le goudron ayant disparu pour laisser place à des pentes ascendantes et descendantes aux grandes dames des chauffeurs. Ouais, la route là, bon, en tout cas, on ne peut pas travailler. S'il pleut, bon, là, c'est gâté. Allez là-même, là, les bras même qui viennent là. Bah, le jour, avant Djamé, nous, on a pris Ben, on a encaissé le chauffeur, 500, 600 par camion. Donc, 500, 600, on a cotisé, on a pris Ben, deux chemins de Ben, on a mis ça dedans. Donc, allez là-même, là, s'il pleut, même, allez là, on ne peut pas passer. Voilà. Chaque fois, si, c'est nous-mêmes, on arrange. Il y a personne pour arranger, c'est nous-mêmes, on arrange. Tu vois, c'est nous, on arrange. Il n'y a personne pour arranger, c'est nous on arrange. Sinon là, ça va partir, nous partir même. On ne peut pas faire, si t'as voulu, moi, un mois même là, tout partir en bas là, tout ça devient joyeux. On ne peut pas rouler. La voie là est trop gâtée. On doit faire un point ici là pour traverser pour aller à la Guine. Sinon, si on n'a pas fait un point là, c'est pas bon. Ça gâte nos motos même. Le problème d'ici là, c'est l'eau sale qui vient là. Allez, regarde qu'ils ont fait devant là-bas là. Quand la pluie vient là, ça cale les saletés, donc ça fait que l'eau là peut pas, n'est pas route pour aller. Ouais, ils ont bien refait, mais ceux qui ont fait là, ils n'ont pas bien fait. C'était pas bien fait. Maintenant, quand les gens se plaignent, c'est maire, quoi là, moi, ils ne me plaignent pas sur le maire. Parce que c'est ceux qui travaillent là, ils n'ont pas bien fait. Ça nous fatigue même. On ne peut même pas rouler. Quand tu dois travailler matin comme ça, là, par exemple, on fait toute la journée, souvent on fait matin pour dedans, mais quand tu dois travailler comme ça, là, et puis bon, tu dors même là, tu ne dors pas bien. Parce que quand tu penses à la route là, même là, au terrain simplement ici, là, non, tu vas dire que non, tu n'as pas envie de rouler même. La présence de quelques entreprises sur la voie, à quelques encablures qu'on reproche d'être sur le lit d'écoulement des eaux usées, est constamment inondée. Moi, je ne pense pas que la société Mécane est sur le lit qui bouche tout ce qui est eau et autres. En fait, il y a les constructions anarchiques qui sont sur le côté droit, où je monte sur le côté. De là-bas, quand les habitants jettent tout ce qui est ordure, puisque les canaux sont déjà bouchés, ça fait que quand ça tout descend, rien ne va. Donc moi, je pense bien qu'il y a un constat à faire. Si les autorités viennent, eux-mêmes vont constater, comme nous aussi, nous sommes aussi sur le chantier, ils vont essayer de voir aussi ce qui se passe, ce qu'il en est. En fait, on ne va pas rester derrière pour dire non, c'est ici, c'est ça. Donc si nous tous sommes là, aussi ils viennent, puis on va essayer de voir. Le problème exact, ce sont les canalisations, parce que tout est bouché et les canaux sont petites, en fait. Donc si c'est débouché, et aussi agrandi, je pense bien que l'eau pourra circuler normalement.
L'appel est lancé auprès des autorités afin qu'une solution par rapport à l'assainissement soit d'abord trouvée.